Sortir avec toi, c'est comme être perdu dans les eaux profondes, en dépit des difficultés de la vie et des défis au quotidien. Le bonheur est incessant. Le vrai amour n'est pas un mythe. C'est ce que j'ai expérimenté, jour après jour. Les paroles sont insuffisantes pour exprimer ce que mon cœur veut réellement dire. Mon amour pour toi est comme une très grande mer, si puissant, si profond, il ne sera à tout jamais. À travers l'orage, le tonnerre et la tempête, il demeurera à jamais. Bonjour mon amour. Mon soleil brillant. Comment tu as passé la nuit? Aujourd'hui est un magnifique jour de ma vie. Dormir à tes côtés, ce que j'ai toujours voulu faire. Chérie, là tu me rends timide. Oh. Regardez son sourire. Regardez cette beauté radieuse. Chose qui embellit beaucoup ton visage. Chérie, qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Tu ne cesses de me louer et de me jeter des fleurs. J'ai cru que tu allais arrêter puisque nous sommes déjà mariés. Je viens à peine de commencer. Tu es mon idole. Et je t'adorerai à tout jamais. Je ne cesserai de t'adorer moi aussi, mon amour. Je t'aime. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, chérie. The one I can live without, Udobimo, Obinako, Tititim, Tititim, Udobimo, Iyokoko, 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 the one I can live without, Udobimo, Obinako, Tititim, Tititim, Udobimo. King of my heart, Udobimo, Ihunanyagyo, Jurumobi, Udobimo, Udobimo, Onye.
Bienvenue. Merci chérie, tu m'as manqué. Tu m'as aussi beaucoup manqué. Oh. Comment était le travail aujourd'hui? Très très bien. Très bien, chérie. Je vais m'occuper de toi. Merci, chérie. Viens avec moi à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait sans toi. Tu prends toujours très bien soin de moi. Et tu aimes? C'est très bon. Oh, c'est pour moi. Je te donne pas. C'est vraiment délicieux. Oh, Bim, c'est ça. Oh. Elle a dit qu'elle ne me paye pas parce que je n'ai pas fini le travail. J'ai fait de mon mieux pour lui faire comprendre ce qu'il y avait comme problème, mais il ne voulait pas m'écouter. Ah, ne sait-elle pas que tu viens à peine te marier et tu as beaucoup plus d'occupations? Je lui ai dit, au fait, elle sait tout, mais elle est restée catégorique. Elle ne cesse d'insister que je dois venir au champ pour finir ce travail. Ça veut dire? Genre, elle veut une main-d'œuvre forte, elle veut employer d'autres personnes pour finir ce travail. Tout en réduisant mon salaire juste comme ça. Non. Non, cela je n'accepterai pas du tout. Réduire ta paye? Bah, non, je n'accepterai pas. Ah, j'ai un plan. Je sais exactement quoi faire. Demain matin, j'irai dans ce champ avec toi. Pour faire quoi, Obim? Élaborer, bien sûr. Avec quelle main? Veux-tu que nous en prenions des mains? Ton travail ici, là, au secrétariat, laisse-moi faire aussi le mien, chacun dans son travail. Non. Je ne te l'ai pas dit pour que tu me suives au champ. Je vais te suivre. C'est évident qu'elle cherche une opportunité pour ne pas te payer et je ne veux pas de cela. J'irai là-bas. Baby, je comprends, mais laisse-moi faire, s'il te plaît. C'est mon travail. Mon amour? Chérie? Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis en train de finir. Hey, bam, 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 bam. Ce n'est vraiment pas le moment pour tout ceci. Allez, donne-moi ça. Donne-moi. Nous devons aller au lit. Arrête. Je dois préparer demain, s'il te plaît. Mon amour, tu ne comprends vraiment pas. Regarde-moi bien. Juste regarde-moi, s'il te plaît, regarde-moi bien. Le corps que j'ai n'est plus du tout le mien. Hein, je t'en prie, allons au lit. Hein? Allez, s'il te plaît, allons, s'il te plaît. Je t'en prie. On mangera, t'en fais pas. Je t'en prie, allons-y maintenant. Où est-ce que je peux déposer ça? S'il te plaît, allons-y. Allez, s'il te plaît. Allons-y. Passe-le-moi, laisse-moi m'occuper. Non. Si je te donne ça, tu vas rester ici encore longtemps. Laisse-moi te montrer quelque chose dans la chambre. Oh, mon amour.
mon amour. Chérie. Mon amour. Yeah. Où es-tu parti tout le matin comme ça? Mon amour. Oh, Bim, tu m'appelais depuis. Bien sûr que je t'appelais. Ah. Mais où étais-tu parti très tôt le matin comme ça? J'étais allé vérifier ton piège. Hein? Oh oui, laisse-moi prêter pour toi à manger vite. Attends. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé te savourer la nuit dernière? Hein? Hier soir, tu agis très bizarrement. Hein? C'était bébé, quoi au juste? Je suis désolée. Ta femme était très fatiguée. T'inquiète, bébé. Tout ira bien. Hein? C'est d'accord, si tu le dis dans ce cas. Ce soir serait meilleur, non? Hein? Je te le promets, oui, chérie, ça ira. Ah, d'accord. Chérie, prépare la nourriture comme ça, nous allons sortir. Hein? Ok? Mon amour, tu as fait de ton mieux. Hein? Il est temps pour toi de rentrer maintenant. Je vais continuer, chérie. J'insiste. Tu as fait de ton mieux. Hein? Je veux que tu rentres maintenant. Je ne veux pas que tu souffres ou te stresses toi-même. Obim, conduire mon mari dans son travail ne me stresse pas du tout. En fait, je le fais avec beaucoup de plaisir. Moi aussi, c'est pour beaucoup de plaisir quand je suis avec toi. Je ne veux pas que tu te fatigues. Tu as fait de ton mieux. Regarde d'où est-ce qu'on vient depuis la maison. Peu importe, je ne veux pas te manquer. Et je ne veux pas te manquer, moi non plus. Mais je veux juste que tu... Si tu continues comme ça, tes jambes te feront mal, n'est-ce pas? Je ne supporterai pas ça. Je t'en prie, rien n'arrivera. Hein? Je t'en prie, mon amour. Il n'y a pas de problème, bébé. Si tu insistes. J'insiste. Je t'aime. Bye bye, je t'attendrai. Retour. Mon ami, écoute-moi. Fais comme si elle n'était même pas là. Mon amour. Mon amour. Oh, Bim. Tu es déjà rentré? Oui, oh. Je suis de retour. Comment vas-tu? Avec toi, je vais bien. Je t'ai manqué. Tu m'as beaucoup manqué. Tu ne croiras pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Que t'es arrivé? Vas-y, dis-moi. Une nouvelle fantastique. Vas-y, dis-moi. Maman Oudjou m'a payé mon argent au complet. Elle a fait. Mais tu n'es pas venu travailler? Oui, oh. Je suis sortie pour aller au champ ce matin. Comme d'habitude. Quand je suis arrivée là, j'ai trouvé des hommes en train de travailler.
J'étais surprise. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient là en train de travailler. Je crois que c'était maman Dieu qui leur envoyait de faire le travail. J'étais fâchée et je suis rentrée à la maison. Aussi surprise que j'étais, maman Dieu est venue jusque chez moi avec ses deux pieds. Et elle m'a remis mon cachet au complet. J'étais choquée. Juste comme ça. Juste comme ça, chérie. Je n'ai jamais vécu une pareille chose. Jamais. Tu n'as pas engagé ces hommes. Je ne sais pas s'ils sont engagés par elle. C'est ce qui m'étonne le plus. Qui les a engagés alors? Je ne sais pas. Cette femme a changé. Elle a vraiment changé. Obim. Obim, tu ne dis rien. Je... Comment est-ce que... Obim, n'es-tu pas surpris? Qui a pu engager ces deux hommes-là? Obim. C'est moi qui les ai engagés. Tu as fait quoi? J'ai payé ces laboureurs. Obim, comment? Quand? Pourquoi? Parce que je t'aime, chérie. Je ne voulais pas du tout te voir stressée. Alors je les ai payés pour faire le travail. Mon amour. Chérie, mon amour. Bébé, je t'aime moi aussi. Je t'aime énormément. En fait, ça m'intriguait. La connaissant, elle ne peut pas me donner mon argent au complet. Je connais cette femme. Bébé. Mon amour, c'est vraiment très bon. Hey, Olam. Quand est le prochain fort jour du marché? Je crois que c'est dans les 4 jours qui viennent. Pourquoi tu demandes? Ok. Je te donnerai un peu d'argent. Je veux que tu achètes des très beaux habits. Changer ton style de cheveux. Afin que tu sois encore très belle pour moi. Chérie. Merci beaucoup. Je le ferai pour toi. Oh. Merci. Et cela n'est pas tout. Une chose de plus. Quand tu auras fini avec ce que tu fais, vois-moi dans la chambre. Ok. Je vais déjà là-bas. Je t'ai eu, toi. Obim, tu m'as fait peur. Viens dans ta chambre, j'en ai vraiment besoin. Obim, attends. J'en ai vraiment besoin. S'il te plaît, aujourd'hui, c'est mercredi. C'est mercredi, non? Ça ressemble à n'importe quel jour. Non. Allez, viens, allons au lit maintenant. Obim, tu es supposé arriver à temps aujourd'hui au bureau à cause de votre chef de projet. T'as oublié? Ah! Monsieur Winterbottom. Ah! Cet homme, c'est un trouble. Je n'avais vraiment plus ça en tête, sérieux. Oh. Vas-y, après toi. Je finis le nettoyage. Oh. Bébé. Non, c'est pas possible. J'arrive, bébé.
Je me souviens encore de comment merveilleux tu es tombée. Le premier jour, tu m'as serrée dans tes bras. Et après beaucoup d'années passées, je réalise encore que mon cœur ne cesse de battre pour toi. Bébé, pourquoi tu aimes toujours me brisquer? Pourquoi est-ce que tu as toujours peur à chaque fois que je viens te surprendre derrière? Hein? Il n'y a que moi qui peux faire ça, n'est-ce pas? Y a-t-il une autre personne qui vient ici aussi? Non. Oh. Bienvenue. Oh, merci chérie. Dis-moi, comment était votre rencontre avec le monsieur Winter au travail? Oh, c'est pas vrai. C'était très stressant. Très stressant. Oublie cet homme blanc-là, s'il te plaît. Fallait le voir dans sa peau. À tout moment, il me dira à moi. Monsieur Obiora, si seulement vous osez venir une minute en retard au boulot, vous serez relevé de votre fonction. Mais lui n'est pas du tout mon problème. Mon problème, c'est avec toi ici. Ta voix toujours avec moi. Obi, m'attends. Je ne peux pas attendre. Allez, allons à l'intérieur, s'il te plaît. Bébé, tu as besoin de te reposer, non? À peine tu viens d'arriver. Je vais me reposer, mais j'ai besoin d'un peu de massage, non? Que tu m'aides à me détendre. Obi, mais s'il te plaît, laisse-moi de finir. Je tiens à finir cette vessie. Après, je dois faire le dîner. Obim. Obim, tu aurais dû m'appeler pour que je le fasse pour toi. Ok. Pourquoi n'allons-nous pas à l'intérieur pour que tu le masses un peu mieux pour moi? Tu vas masser aussi toutes les autres parties de mon corps qui ont besoin de massage. Obim, tu sais que je ne peux pas te le priver, chérie, mais j'ai d'autres choses à faire. Je te prie de travailler un peu la patience. C'est bien. C'est bien. Ça a toujours été toi, la plaintif. Arrête de dire tout ça et dis-moi que tu en as marre. Mais Obim, je dois m'occuper du ménage. Et est-ce que je me suis déjà plaint? Que tu fasses le ménage ou que tu ne le fasses pas, est-ce que je me suis plaint? Tu sais, ce n'est pas bien. Honnêtement, ce n'est pas juste. Dis-moi un peu, qui croira que depuis qu'on est mariés, je n'ai jamais touché à ma femme? Même pas une seule fois. Hein? Ça veut dire quoi? Thank you.
Chérie, bonjour. Oh, mon amour. Bonjour à toi, oh. J'espère que tu as bien dormi. Oui, bien sûr que oui. Bébé, tu aurais dû me réveiller, non? Tu m'as dévancé. Hein? Apparemment, tu as nettoyé la parcelle. Mm-hmm. Tu as fait la vaisselle. Et maintenant, tu prépares. Mm-hmm. Ou bien quelque chose qui ne va pas, oh. Tout va parfaitement bien. Ne puis-je donc vraiment pas aider ma femme quelquefois? Oui, mais tu étais censé être au boulot déjà. Je peux toujours décider de ne pas y aller. Ne te dérange pas, hein. Va juste te reposer. Je viens de servir le petit déjeuner. Oh. Mon amour. Bonsoir. As-tu aimé la nourriture? Oui, j'en ai profité. Hein? Bébé, attends, je vais lancer la musique. Allez, viens, s'il te plaît, oublie ça. Qu'est-ce que je vais faire avec cette musique? Allez, oublie la musique. J'ai apprécié la nourriture, c'était très bon. Oui. Ça, c'est bien. Chérie, je ne me sens pas du tout en forme. Je me sens fatiguée, j'ai besoin de me reposer, s'il te plaît. Je dois me reposer. C'est ce pourquoi je suis là. Je vais faire en sorte que tu te sens bien. Ah, bébé, Biko, arrête. Je dois m'étaler au lit. S'il te plaît. Seigneur. Oh là, qu'est-ce qui se passe juste? Qu'est-ce qui se passe? Que veut dire cette question? Ne fais pas comme si je ne savais pas de quoi est-ce que je parlais. Qu'est-ce qui se passe juste? Mais est-ce que tu vas bien? Je ne vais pas bien. Comment puis-je aller bien? Hein? Comment puis-je aller bien pendant que tu refuses de me servir ma nourriture? Tu me rends encore affamé. Que Dieu m'en épargne. Comment je peux tuer mon mari de faim? Je t'ai nourri 3 fois la journée. Je t'apporte même à manger jusqu'au travail. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ce genre de dossier dont je suis en train de parler. Cette chose que je suis supposé avoir en tant que ton mari, à chaque fois que je te demande, tu es censé me le donner juste comme ça. Cette chose. Qu'est-ce qui se passe au juste? À chaque fois que tu me donnes toujours une excuse et puis l'autre. C'est soit tu es malade, c'est soit tu fais quelque chose. C'est à chaque fois que tu. C'est toujours à chaque fois que tu fais quelque chose. Tu me dis que tu travailles beaucoup trop. Bien. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je me suis réveillé beaucoup trop tôt. J'ai fait toutes les tâches que tu as l'habitude de faire chaque matin, je les ai fait absolument toutes. J'ai fait la vaisselle, j'ai préparé, j'ai même balayé la parcelle. Je t'ai même servi à manger. Afin que tu te relaxes proprement pour que tu puisses me donner cette eau que tu dois me donner. J'ai besoin de cette chose. Arrête ça, non? Je ne me sens pas du tout bien. Ok. Je te jure. Ne recommence pas avec ça. C'est ce pourquoi je suis là. Je vais te faire sentir mieux. Je te ferai sentir mieux. Allonge-toi sur ton mari. Allez, bébé, ne fais pas arrête, ça, chérie. Je t'en supplie. Fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça, je t'en prie, non. S'il te plaît, bébé, permets-moi de dormir. Tu es un gentilhomme, comporte-toi en tant que tel. Je vais me relaxer. Obim, je sais que je t'ai nié étant comme. Je suis là pour te dire de mettre tout derrière toi. Je suis prête à te les donner maintenant. Viens avec moi à la chambre. Viens. Obim. Obim. Ça va? Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que ça va? Ai-je l'air d'aller bien pour toi? Hein? Ne me parle pas. Laisse-moi tranquille. Ah.
Bientôt, ton repas sera prêt. Ola, tu es une femme mariée. Hein? Tu n'es plus une femme célibataire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dis-moi, as-tu peur d'avoir des enfants maintenant? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends vraiment pas, vas-y, dis-moi. Après tout, on a prévu d'en avoir 4. 4! Avant qu'on se marie, c'est ça qu'on se disait, qu'on aurait 4 enfants. Tu aimes les enfants de la même façon dont moi j'aime les enfants, alors qu'est-ce qui se passe? On est mariés, ça fait 2 mois maintenant. 2 mois que je n'ai même pas touché à ma propre femme. Alors comment viendront ces enfants dans ce cas? Vas-tu les vomir maintenant? Même ce n'est pas que je n'ai pas besoin des enfants. Tout ce que je t'ai demandé, c'est de me donner du temps. Le temps pour faire quoi? Tu n'as pas besoin du temps. Qu'est-ce que tu me demandes là? Du temps pour faire quoi? Tu n'as pas besoin de temps. Tu es une femme mariée maintenant. Hein? Quand les gens sont mariés nouvellement, les femmes, tout ce dont elles ont besoin, c'est leur mari. Que leur mari, rien d'autre. Leur mari en première position. On est en train de vouloir avoir des enfants là. C'est quoi maintenant? Arrête là maintenant, non, je t'en prie. J'en deviens fou, laisse-moi te faire l'amour, ne serait-ce qu'une fois. Je t'en prie. Je te comprends, juste donne-moi un peu de temps et je te les donnerai, s'il te plaît. Mais le temps pour faire quoi? Cette chose que tu me fais là n'est pas juste, tu es en train de me faire crier d'ailleurs. Du temps pour faire quoi? Très bientôt, les gens là vont commencer à parler. Certains d'entre eux diront que je suis impuissant. D'autres diront d'ailleurs que tu es stérile, que tu ne peux pas avoir d'enfant. Veux-tu vraiment ces gens d'insulte? Non. Je t'en prie, non, arrête, okay, non. Ok, d'accord, bébé. Ok, laisse-moi moi te demander, laisse-moi te poser une question. Sais-tu si je suis une femme? Non, tu n'es pas une femme. Et comment sauras-tu? Comment sauras-tu? Parce que tu n'as jamais confirmé. À moins que je le fasse pour que tu confirmes. Moi, j'ai besoin de... Quand on aura fait cela, moi, je serai sûr que tu es une femme. Et toi aussi, tu seras sûr que je suis un homme. Tu comprends ça? Je peux très bien le faire. Regarde. Oh, non, chérie, mon amour. Regarde. Attends un instant. Allez. Regarde, écoute. Dès demain, dès que tu rentres, tout ce dont tu auras besoin, je te les donnerai. C'est promis. Chérie, es-tu prêt à partir? Excuse-moi, bien sûr que je suis prêt. Es-tu aveugle? Ta nourriture, bébé. Tu as oublié. J'ai pas besoin de la nourriture. Bébé, mais qu'est-ce que tu dis? Mets-toi un peu à ma place. Hein? Si c'était moi, est-ce que tu aurais besoin de la nourriture comme ça? Je ne veux pas de la nourriture, je vais bien. Bébé, peu importe, tu as besoin de manger, tu dois être fort. Laisse-moi le prendre pour toi. J'ai dit que je ne veux pas de la nourriture. Un homme malheureux n'a pas besoin de la nourriture. Ok, bébé, je te promets d'améliorer les choses. Cette nuit. Oui. Si tu le dis, la balle est dans ton camp. Je le ferai. N'ose pas me suivre. Timo, comment j'ai pu dormir? Obiora, Obiora sera bientôt de retour. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je fuis? Je crois que je dois le faire, aussi dur que cela peut être. J'ai cru que cet arbre saignait. Je crois que je dois le faire, aussi dur que cela peut être.
rentrer. Mon amour. Oh là, je suis rentré au... Un accord est un accord. Il est de retour. Ah, j'espère que tu es prête. Ok, hein? Tu es là? Je suis là. Tu me l'avais promis, oh. Cette nuit. Cette nuit. Allez, viens. Es-tu sûr que tu es prêt? Hein? Oh. Allez, viens. Viens, où je t'en. J'avais dit cette nuit. Allez, viens. Bébé. Viens avec moi. Vas-y doucement. On va mourir aujourd'hui. Ah, oh là, oh là, attends, attends. Oui. Quoi? Tu es en train de teigner. Moi? Tu n'as pas vu? Ah. Hé, hey, je n'ai pas fait attention. Mais t'inquiète, je vais les résoudre. Oh, bim. Hé, hé. Hé. On va le résoudre. Oh, bim. Hé, hey, c'est quel genre de choses comme ça? Hmm. Ah, ah. Aujourd'hui, je pensais que j'allais enfin savourer ma femme. Hein? Cette chose a vraiment gâché toute ma journée. Qu'est-ce que je vais faire? Sérieux, mais qu'est-ce que je vais faire? Hein? Hein? Maintenant, mon plaisir est off pour moi à cause de ces règles. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Sérieusement, est-ce que je me suis marié pour souffrir ainsi? Hein? Bim. Hein? Je suis de retour. Ah ah. Mon amour. Bébé, hey. Je t'ai déjà interdit avec ça. Mm. Laisse-moi m'en occuper. Je dois travailler. Je suis de retour. Je le ferai. Merci. D'accord alors. Laisse-moi en profiter un petit peu plus longtemps. Chérie. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah ah. Maintenant, je m'en souviens. Le roi de notre village a demandé à me voir. Il a dit que je devrais passer la semaine prochaine. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Ah, je ne sais pas. C'est quand j'irai là-bas que je saurai. Oh, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Pourquoi il doit te chercher? Mmh. Mmh. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ah. Le roi de notre village. Ah, ah. Bien sûr que c'est nécessaire. Ça veut dire que je suis important dans notre société maintenant. Tu crois que c'est tout le monde que le roi aimerait voir? Okay. C'est quand j'irai là-bas que je saurai ce qui se passe exactement. Ok, hein? Comme tu le voudras. Ce n'est pas un problème. Okay. Il n'y a pas de problème, d'accord. D'accord. Attends. C'est comment? Ça s'est arrêté? Quoi? Qu'est-ce que tu demandes? Cette chose-là. Oh, bim, ce n'est pas encore fini. Oh. Ah. Actuellement, ça commence à prendre 2 semaines. Mmh. Hmm. 2 semaines? Oui. Ah. Écoute, je peux être un homme. Je ne suis pas un fou. Ah, ah. Comment est-ce que tu... Cette chose-là ne peut pas faire plus de 5 jours. Oh, sérieux, 5 jours. Je sais, mais chaque femme a ses problèmes. Nous sommes différentes. C'est comme ça que le mien fonctionne. Je crois que quelque chose doit être fait par rapport à ça. Si. Donc, je dois attendre 2 semaines. Bébé, n'est-ce pas que tu as assez attendu? Avant que tu ne le saches, ça sera déjà 2 semaines. Allez, arrête un peu de dire tout ça. Arrête un peu de dire tout ça. Tu me traites maintenant comme un fou. Tout ça n'est pas juste. J'en ai le droit. Oh, bim, tu peux cette chose. Ça. S'il te plaît, un homme amoureux endure. S'il te plaît. 2 semaines. Ce n'est plus loin. 2 semaines, ne traîne pas. S'il te plaît, bébé. Va à la maison, laisse-moi m'en occuper. Tout ça n'est pas gentil du tout. Oh, bim, laisse. Laisse-moi. Allez, bébé. Hola. Oh, bim, t'es là? Hein? De retour? Oui, oh. Oui. Bienvenue, chérie. Oui.
Merci beaucoup. Mm-hmm. C'est bon de te revoir. Oh, comment vas-tu? Oui, ça va. Qu'es-tu en train de piler comme ça? Oh, Bim. Hmm? Crois-tu que je suis contente de voir mes règles pendant 2 semaines? Je suis en train de concocter ces herbes pour essayer de contrôler mes menstrues. Alors, quand tu auras préparé ça et que tu l'auras pris, tes règles vont s'arrêter? Oui, ça va s'arrêter. Ah, bonne nouvelle. Tu aurais dû me le dire depuis longtemps, non? Je suis revenu. Mais tu viens à peine arriver, non, bébé? Ne t'en fais pas. Ok, c'est bon, ne t'en fais pas. Tu sais bien que je peux le faire pour toi. Ah, tu aurais dû me le dire, non? Je serais même allé pour te chercher des herbes. Tu crois que ça va suffire? Non, cette quantité va déjà suffire, bébé, arrête. Tu ne comprends pas. Ceci me rappelle. Comment s'est passée la réunion? Ça s'est bien passé, oh. Bonne nouvelle. Notre roi veut que je puisse retourner là-bas au village afin que je puisse devenir le leader des jeunes. Leader des jeunes? Il veut que tu reprennes. Exact. Attends un peu une seconde. Une fois que je deviendrai leader des jeunes, les choses vont changer. Crois-moi, plusieurs portes s'ouvriront à moi. Ils m'ont même dit qu'une fois que j'aurai accepté, en addition avec toutes ces choses-là qu'ils vont me donner à moi, je vais superviser ce nouveau contrat de notre village, ce contrat avec les rails. Je ne suis pas du tout d'accord avec. Tu es mon mari. Tu es marié, tu n'es pas un jeune. Pourquoi il veut que tu sois le leader des jeunes? Pourquoi il n'aime pas quelqu'un d'autre? Mais mon amour, comment est-ce que tu peux parler comme ça? C'est vrai que je suis marié, mais je suis quand même un jeune homme. Et d'ailleurs, par-dessus tout ça, le peuple m'aime beaucoup, parce que je suis un homme d'intégrité. Tu sais que je suis un homme de parole, un homme de grande vertu, c'est pourquoi il veut que je puisse l'aider. Et ce qui est bien, c'est que nous allons retourner là-bas au village, pour habiter là-bas, chérie, s'il te plaît, pardon, tu ne rentres plus dans ces villages. Je ne te laisserai pas être leader des jeunes, ils doivent trouver quelqu'un d'autre. Non, pas toi. Tu es en charge de tes responsabilités, et non être leader des jeunes. Je ne suis pas du tout d'accord avec. Biko, tu ne rentreras pas au village, non, pas du tout. Pourquoi je dois rentrer au village? Et si mon secret s'est dévoilé? Non. Non. Chérie, ça va? Hola. Je vais te poser une question très importante maintenant. Ok. Et je veux que tu me donnes une réponse très sincère. Je t'en prie. Bien sûr. Tu sais, nous n'avons vraiment jamais parlé de notre vie sexuelle avant. Ceci sera la première fois. Alors, j'apprécierai la vérité venant de toi. Et rien que la vérité. Je ne te dirai que la vérité, bébé. Ok. Est-ce que tu es vierge? L'es-tu? C'est ça? C'est ça? Je l'avais dit. Tu sais, je n'arrêtais pas de penser à ça. Je m'étais dit non. Ça doit être la raison pour laquelle tu laissais ton mari affamé au lieu de lui donner ceci. Juste comme ça. Pendant 3 mois passés. Je m'étais dit non. Tu devais seulement être une vierge. Maintenant mon cœur est... Maintenant je suis plus apaisé. Voilà que ça me rend encore plus heureux avec toi. Très heureux avec toi. Parce que ça veut dire que tu es une fille vraiment très décente.
C'est difficile à croire que, qu'une fille de ton âge soit conservée. Tu t'es conservée de tous ces hommes, de tous ces petits garçons qui sont là à tourner tout partout. Tu as conservé cela et tu as voulu donner ça à ton mari. Hein? Merci. Oh, merci, merci infiniment. Je ne vais pas te décevoir. Oh, je te le promets. Je sais également que tu auras sûrement peur de la douleur. Mais ne t'en fais pas. T'en fais surtout pas. Je serai très doux. Vraiment très doux. D'ailleurs, je serai tellement doux que tu vas même me demander « Ah, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Hein? Vas-y, mets-le pour que je le sente. » Crois-moi, tu n'as rien à t'inquiéter du tout. Je te connais, toi aussi. Parce que je sens que tu auras peur de la douleur. Mais ne t'en fais pas. Hein? Je serai très doux. Tu es aussi une femme mariée maintenant. Tu es une femme mariée. Alors tu n'as même pas à te dire que Dieu sera en colère. Dieu ne sera même pas en colère. Tu fais ce que tu es supposé faire. Tu es en train de le donner à la personne à qui tu es supposé le donner. Hmm? Ok. Hey! Ouh, je me sens bien. Je rentre chez moi. Je me sens bien. Monsieur. Ouh, enfin de retour à la maison. Je suis de retour. Maman, comme ça. Hey, maman. Hey. Tiens, tout neuf. Mon amour, ça s'est arrêté? Bébé, je ne sais pas ce qui ne va pas avec cette télé. Je ne comprends pas, on dirait que ça a coupé. Je ne parle pas du tout de cette télé, alors arrête de parler de ça. Laisse-la aller au diable. Ça s'est arrêté, je parle de tes règles, de tes menstrues ou peu importe. Ça s'est arrêté? Ce n'est pas encore fini. Ah, pourquoi? Ah, ça c'est quelle question? Suis-je mon propre créateur? Ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu as un problème? Peut-être. Résolvons-le alors. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute, ce que tu penses faire ne va pas résoudre le problème. Hé, ton calme et sois patient. Je ne serai pas patient. Je ne vais plus être patient. Je l'ai gardé jusque-là. Donne-moi ce que tu me dois en tant que ton mari. Obiora, je ne me donnerai pas la mort puisque tu veux que je te donne l'impossible. Je ne le ferai pas. Hein? Oui. Excuse-moi. L'impossible? Une femme que j'ai épousée avec mon argent et tu me dis que c'est impossible, pourquoi tu ne veux pas me donner cette chose? Tu dois apprendre à t'apaiser, mais comprendre. Non mais qu'est-ce que tu sais de Dieu, papa, par comprendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre là, dis-moi? Donne-le-moi simplement et c'est tout. Ah! Je n'apprécie pas la manière dont tu vas avec. Comment suis-je supposé les prendre? Dis-moi, comment suis-je supposé les prendre? Parce que ça commence à en devenir trop là. Écoute, mon corps n'est plus de celui mien, je ne supporte plus rien. Donne-moi cette chose, donne-moi cette chose. Je ne suis pas mon propre créateur. Moi non plus, je ne suis pas mon créateur. Mais le truc, c'est que j'ai besoin de ça. Donne-moi ça, donne-moi cette chose. Ah, toujours tu es là à me dire des histoires. Attends une semaine, je vais attendre. Tu me parles de 2 semaines, j'ai attendu 3 semaines. Et même moi, dis-moi. Mais pourquoi tu... J'en ai marre, je vais crier. Et tu vas même pas aimer parce que je vais faire en sorte que tout le monde puisse t'entendre. Je suis ton mari pour l'amour du ciel. Donne-moi cette chose, laisse-moi entrer, Obiora, laisse-moi je pénétrer. Je ne suis pas disponible, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Ok, laisse-moi confirmer. Hein? Ouvre. Ouvrir quoi? Laisse-moi voir. Vas-y, ouvre.
Olama, je suis désolé. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je suis allé trop loin en doutant de toi. À quoi que je suis allé beaucoup plus loin en vérifiant par moi-même et en le confirmant. Je sais que tu es déçu de moi. Je suis désolé, oh. Pardon. D'accord. Je te comprends, ok. Hé, heureusement que mes menstrues sont sorties hier la nuit. Qu'est-ce que j'allais faire? Que le Dieu me conduise en ces temps difficiles. Temps écoulé. 30 240 minutes font 3 semaines. Ça, c'est 1. 2. Il y a approximativement 4,5 à 5,5 litres de sang dans le corps humain. Ce qui veut dire que si tu étais en train de saigner il y a 3 semaines, là maintenant, tu n'aurais même plus une seule goutte de sang dans ton corps. Aucune goutte de sang. Ce qui veut dire que tu mens. C'est vraiment très simple. S'il te plaît, arrêtons de me chabailler et donne-moi ça, s'il te plaît. Obura, donne-moi cette chose. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est toi qui m'aides maintenant à calculer mes périodes? Exact, je dois t'aider parce qu'apparemment tous tes calculs sont faux. Mes calculs à moi sont précis. C'est comme ça qu'ils doivent être. Comment peux-tu me dire de ces choses? Hein? Comment est-ce que les règles peuvent commencer à saigner pendant 3 semaines dans un seul corps? 3 semaines, je suis pas un fou. Es-tu en train de faire ça pour me tourmenter? Je ne comprends pas, oh. Je ne sais pas d'où vient tout ceci. Ne peux-tu pas me comprendre? S'il te plaît. Comprendre quoi? Dis-moi, qu'est-ce que je suis supposé comprendre? Pourquoi est-ce que tu es en train de me faire ça? C'est ça l'amour que tu m'as promis? C'est à moi de te le demander. Est-ce ça l'amour que tu m'as promis? Hein? Est-ce que tu m'aimes ne serait-ce qu'un peu? Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle tu m'évites sexuellement. Une seule raison. Oh, mais tu dois être patient avec moi. Tu dois apprendre à ton patient. Allez, arrête avec ça. Non, arrête avec ça. Je suis pas un fou. Ah, ah, on s'est rencontrés il y a 2 ans de cela. Et tu m'avais demandé d'être très patient. Que tu voulais qu'on puisse se marier avant que tu me donnes cette chose. J'ai accepté et j'ai été patient. On s'est mariés. Depuis qu'on s'est mariés, tu n'as pas voulu me donner cette chose en tant que ton mari. J'en deviens fou. Donne-moi cette chose. J'ai besoin de coucher avec ma femme. Ne fais pas ça. Qui l'a causé? Je t'ai dit que je n'étais pas du tout prête pour le mariage, oh. Tu m'as forcé la main. Tu m'as forcé. Ok, donc c'est ce que tu es en train de dire. Maintenant, je peux voir à quel point tu es vraiment ingrate. Ne me qualifie pas d'ingrate, s'il te plaît. Hein? C'est mon corps. Ainsi, j'en ferai comme bon que me semble. Que tu veuilles ou non, ce corps nous appartient à tous les deux. Hein? Exact. Où est-ce que tu... Hey! Quand tu couches avec tous ces hommes à la tête, tu crois que je ne savais pas ça? Quand tu couches avec tous ces hommes à la tête, tu penses que je ne savais pas? Donne-moi cette chose. Donne-moi cette chose. Allez, lâche-moi. Je ne t'écouterai même pas. Je ne t'écouterai même pas, ok, donne-moi cette chose, reviens ici. Ne me suis pas, cette chose, tu ne veux pas m'écouter. Je ne t'écouterai pas, allez, reste là, ne bouge pas. Allez, viens là, ne bouge pas, ne bouge pas, reste là, ne bouge pas. Allez, arrête, ne bouge pas. Reste à un seul endroit, non? J'en ai marre de ce que tu me fais là. S'il te plaît, oh, la parcelle de mon mari est sale. Hein? Je dois le balayer. Tu veux balayer pendant que... Allez, arrête ça, arrête, donne-moi ça vite. Allez, enlève-moi ça. C'est maintenant que mon corps est en sursaut que tu veux me faire ça, c'est quoi ça? Oh, Biora, laisse-moi quitter mon devoir conjugal. Quel devoir conjugal? Laisse-moi te demander, c'est quoi avec toi? As-tu peur d'avoir des enfants? Et c'est pourquoi tu me vis maintenant? Tu essaies de dire que je ne peux pas accoucher des enfants? Alors prouve-le. Prouve-le, ouvre-moi cette chose. Prouve-le, donne-moi cette chose en tant que ma femme. Comment serais-je que si je te laisse faire, tu seras performant? Comment? Laisse-moi tranquille. Hein? Fous-moi la paix. Hey! Hey! Viens ici. Hey! Je n'écouterai plus rien. Que tu veux le nom, tu vas me donner cette chose aujourd'hui. Tu dois me donner cette chose. Sache qu'il pleuve, qu'il neige aujourd'hui. Tu vas me donner cette chose. Écoute, tu ne sais pas de quoi je suis capable quand il s'agit de ça, oh. Va là-bas dans mon village et demande-leur. On m'appelle puissance humaine. Puissance humaine, que tu veux le nom. Je ne te laisserai pas une seule seconde. Allez, réveille, si bien. Donne-moi ça. J'espère que tu plaisantes. Écoute-moi maintenant.
Je suis de retour, et je suis de retour pour de bon. Et je suis venu ici pour ce qui me revient de droit légalement. Je peux voir que tu as été transformé en fou. Et si tu ne déguerpis de cette parcelle, je vais appeler le jeune. Fou que tu es. Vous m'avez traité d'un fou, moi? T'es un fou? Hein? Va-t'en d'ici. Je vais vous montrer comment est-ce que les fous se comportent. Va-t'en d'ici. Je vais vous montrer. Va-t'en. Viens. Hein? C'est moi que vous traitez de fou, hein? Je vais vous montrer comment est-ce que les fous se comportent. Zinzin. Malade. Hein? Elle continue en plus. Insensé. Imbécile. Bonjour, mon mari. Ta nourriture est prête. Que je la porte? Oh, bim. Obiora, d'où viennent tous ici? Où es-tu? Pourquoi tu ne reviens pas jusqu'à 7 heures? Où es-tu parti? Où est-ce que je vais aller te chercher? Je suis tellement confuse. Qu'est-ce que je fais à mon mari pour qu'il me traite autant? Obimo,
I didn't wanna say do me, do me do. I didn't wanna say do me, do me do. I didn't wanna say do me, yeah, do me do. I didn't wanna say do me, yeah, do me. Yeah. Amour, allez, vas-y, entre, entre, entre. Oui, vas-y, entre. Hey, toujours forte, hein? Bonjour, mon mari. Hier, tu ne m'as pas dit que tu n'allais pas rentrer à la maison. Je t'ai entendu. Jusque tard, j'ai failli me dormir dehors. Où est-ce que tu as passé la nuit? Mon amour, voici ta nouvelle maison. Ta nouvelle maison, tu m'entends? Fais comme bon te semble, hein? Tu as tout mon soutien. Une fois que tu seras à l'intérieur, passe par là. Ça va te conduire à l'arrière de la maison. Tu verras la cuisine là-bas. La cuisine est à toi. Fais comme tu veux. Obiora. Vas-y, cuisine. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est qui cette femme? Je voulais vraiment qu'on puisse arriver à cette partie-là. Son nom est Ngwechi. Moi, je l'appelle Ngwe. Elle est la femme que j'ai emmenée pour faire ce que toi tu ne peux pas faire. Mba, mon amour, tu peux aller t'installer. Merci mon bébé. Oh, oh. Je viens juste de dire, maman. Rie. Obiora. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Allez, laisse-moi passer maintenant, s'il te plaît, je t'entrerai. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Mon mari a dit qu'il a besoin de manger le poisson de pepper soup. Et je vais les lui préparer personnellement. Je ne sais pas que tu devais apporter tes casseroles. Oh, c'est pour me causer des troubles que tu es là. Oh, Yvo. Ngwechi? Quoi? Obiora? Obiora! Obiora! C'est du n'importe quoi. Hey! Ces légumes ne peuvent pas être consommés. Obiora! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu mon nom juste comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Si tu savais que tu allais épouser une autre femme, pourquoi tu ne m'as pas renvoyé chez moi? Quel genre de stupide question est ça? Dis-moi. Tu as amené une autre femme dans la maison de mon mari pour qu'elle me maltraite vraiment? Je n'en peux pas. Non, c'est pour que nous commençons à nous battre tous les jours. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Tu devrais être d'accord. Tu n'as pas de choix. Tu vas accepter. Parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Hein? Tu ne le voyais pas? Est-ce que j'étais calme pour toi? J'étais très agité.
Est-ce que tu m'as entendu? Pour ton information, depuis qu'on s'est marié, je suis une âme très agitée. Ne vois-tu pas que je te courais après de passer par là? Je n'étais vraiment plus moi-même. Tout mon corps était en surchauffe. Je te l'avais dit, donne-moi cette chose calmement. Je ne voulais même pas le faire du tout. Ma propre femme, tu voulais que je fasse quoi? Obiora, c'est ce que tu me dis? Tu me fais rire, gros. Laisse-moi te demander. Ce que tu veux, c'est mettre fin à ma lignée? Hein? Est-ce que tu penses? Ah donc, ce que tu voulais, c'était que je puisse me masturber, c'est ça? Laisse-moi en haut. Pardon. Laisse-moi juste tranquille. C'est simple, satisfais ton mari, tu ne veux même pas le faire. Satisfais ton mari. Ouais. Ouais, oh. Mon mari, il a une nourriture prête. Hey, c'est ce que j'attendais. Mon amour. Oh. Oh, magnifique. Magnifique. Quand tu vois une bonne nourriture, hein, au moment où on voit la bonne nourriture, on peut très bien le dire. Tu n'as pas peur, mon mari. Bonne nourriture. Hey, il n'y a même pas à discuter à propos de ça. Sans avoir besoin de la goûter, une fois qu'on voit de la bonne nourriture, on peut directement dire que c'est de la bonne nourriture. Tu sais, il y a autre chose à propos de la bonne nourriture, hein, la bonne soupe. Ça aide tellement quand ça passe par là. Pendant que tu manges la nourriture, personne ne résiste à ça. Ça passe sans forcer de soi-même. Mon mari, tu n'aimes pas la nourriture? Elle est vraiment, vraiment très bonne. Très très bonne d'ailleurs, je te fais confiance. Je te fais confiance, c'est une très bonne nourriture. Mais on va continuer plus tard. Laissons la nourriture vraiment très bonne, mais s'il te plaît, laissons d'abord. Allons dans la maison d'abord. Okay. Je vais faire un peu de quelques exercices. Après ça, tu sais, mon ventre, mon corps sera complètement vide. Et je mangerai la nourriture. Ok, voilà. Y a pas de problème. Mais la nourriture est très délicieuse. Oh. Très délicieuse. Très très délicieuse. Hein. C'est très bon. C'est très bon. Garde-la dans la cuisine et viens me rejoindre dans la chambre. D'accord, mon mari. Cette nuit, ça lance longue. On le fait cette nuit. On le fait cette nuit, oh. Je sais, oh. Tu sais que c'est cette nuit que ça va arriver. Hein. Oui, oh. Cette nuit. Hein? Où est-ce que tu es? Hey, Olegiri. Ah. On y va? Qu'est-ce que tu fabriques? Allez, dégage de là tout de suite. Ah. Ne me dis pas que ton père ne t'a pas parlé, d'accord? Hein? La simple soupe de Oa, que même des sorciers et des sorcières préparent aussi. Tu ne sais pas la faire. Tu as mis tout le sel de la cuisine avec un seul pot de soupe. T'approches pas de moi. Mon mari, s'il te plaît, ouvre la porte. Obi. Ah, je suis comme si on était en train de faire quelque chose. Hein? J'ai mis. Obi. Plus fort, que ce soit réel. Obi. Bébé, oh. Tu vas me tuer. Je vais mourir ici. Obi. Je vais mourir ici. Allez, vas-y, doucement. Oh. Tu es trop bonne. Hey. Tu es trop bonne, oh. Obi, Nanga, oh. Obi, mon mari, oh. Tu vas me tuer. Tu es magnifique. Aïe. Oh. Dans ma prochaine vie, je vais t'épouser. Je vais t'épouser et même 100 fois. T'en fais pas pour cette femme, cette femme est ici. Elle va partir dès demain matin. Oh, sérieux, tu es magnifique. Oh, tu es vraiment trop bonne. Oh, je t'assure, tu es un homme. Tu fais trop bien. Oh. Dans ma prochaine vie, je t'épouserai. Je t'épouserai même 100 fois. Elle a arrêté de frapper. Tu peux y aller. Mais, mon ami, arrête tout de suite. Arrête tout de suite. C'est quoi ça? N'ose pas me toucher. Écoute, Viola, tu vas apprécier. Écoute, n'ose pas me toucher. Reste bien là. Touche-moi encore.
Oh, mon amour. Sérieux, je te jure, je ne saurais même pas travailler aujourd'hui. Hein? Oh, la nuit dernière était magique. Hein? Tu étais magnifique. Tu étais là à m'emmener en haut, en bas, en haut et en bas. Hey. Oh, tu m'as complètement tué. Oh. Tu es formidable. Sérieusement, toi, tu es très méchante, regarde. Tu m'as complètement cassé. Hey, mon amour, ne l'accompagnes-tu pas? Avec tout le plaisir, mon mari. Oh. Ok, allons-y. Pars de ma maison. Maintenant. Es-tu en train de me parler par hasard? Ne me nerve pas davantage. Réponds à mon misérable mallette. Rentre chez toi. J'ai appris que tu n'étais pas assez une femme. Sinon, ton mari n'apportera pas une autre femme pour faire ton travail. Ngwechi. Arrête de raconter de bobards. Pars. Enfin, au cas où tu voudras savoir ce qui s'est passé la nuit dernière, c'était très amusant. Obiora est un vrai homme. Il est fort au lit. Il assure comme pas possible. Tu sais ce que ça veut dire? Certainement, tu comprends. Rentrer à temps aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Ngwechi? Je l'ai renvoyé d'ici. Hein? Et qu'est-ce que cela est supposé vouloir dire? Ça veut dire que je ne peux plus la supporter dans cette maison. C'est pourquoi je l'ai renvoyée. Elle est partie. La renvoyer où ça? D'où elle vient? Elle ne veut pas venir de mon toit conjugal et me rendre mal à l'aise. Ah, je l'ai renvoyée. Tu n'as pas fait cela. Je le fais. Non, tu ne peux pas faire ça. Okay. Non, tu ne peux pas me dire que tu as fait cela. Nguan. Ce n'est pas possible parce que je ne permets pas que tu fasses cela. Attends, tu vas voir. Né, c'est comme ça que ta fille a été presque tuée. Et ton inutile de père a bouffé cet argent tout seul sans pour autant nous donner même un franc. Hein? Allez, réfléchissons un peu. Ne penses-tu pas que Oledo aurait ajouté du sel dans cette nourriture? Je l'ai suspecté, oh. Je crois qu'elle l'a fait pour éteindre les sentiments de Obiora. Pour moi, c'est sûr. Dans ce cas, tu dois rentrer te battre pour récupérer ce qu'il y a. Bon. Rentre dans cette maison, au fait. Prépare à partir d'ici. Amène-lui la nourriture. Quelle maison? D'où je t'ai dit que j'étais chassée? Yeah. Oh. Je ne rentrerai pas dans cette maison.
Dieu quoi, Dieu. Même si je dois y rentrer, je ne me resterai que au bébé là et là. Tu me dis de rentrer dans cette maison. Mbeti, rentre pour profiter de préparer la nourriture. Tu sais qu'arriver là-bas, c'est très loin. Hein? C'est très distant. Allez, lève-toi, viens commencer. Déjà à préparer la nourriture. Vite. Lève-toi. Mon fils. Laisse tomber, oh. Hein? Arrête de te stresser à cause de cela. Au moins, tu as été béni avec beaucoup de richesses. Hein, n'est-ce pas vrai? Ekene, tu as entendu ta mère? Elle ne peut pas te tromper. Pas du tout. D'ailleurs, nous ne pouvons pas te tromper. Sois un homme et avance, mon fils. Savoure ta richesse et... je t'en prie, papa, s'il te plaît, arrête ça. Arrête ça, je t'en prie. Arrête ça. Si c'était si facile, je l'aurais déjà fait il y a longtemps. Ah, savoure ta richesse, savoure ta richesse. Comment je suis supposé savourer ma richesse tout seul? Dites-moi, comment? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Laissez-moi aller voir Mazio Kanko. Je reviens rapidement. Reste avec ta mère, parle avec ta mère, ok? Non, il ne prend pas bien, beaucoup de temps, oh. Non, ne t'en fais pas, je reviens très rapidement. Cody. Oh, merci. Mon fils, j'ai oublié de te dire. Te rappelles-tu encore de mon amie, là, Obi? Te rappelles-tu d'elle? Oui. Sa fille est celle qui m'aidait à faire les travaux ménagers. Elle est une bosseuse, oh. Elle travaille très, très dur et elle est très jolie. Tu as besoin de la voir. Elle travaille très, très dur. Maman, j'ai fini. Regarde Inans, regarde comment elle est jolie. Achalugo. Oh, maman. Hé, hey, ma belle. Hé, hey, Ezibo, maman. Dalo. Hé, hey. Hé. Hey. Prends Ekene. Fais-le visiter tout le village. Ne permets à personne de l'approcher si ce n'est que toi. D'accord? Tu m'entends? D'accord, mon fils. Mouan. Allez, dépêchez-vous. Gagnez dedans. Gagnez dedans, partez. Hé! Hey. Ah, ça, mon. Tu n'es que. Toi encore? J'ai cru que tu avais appris ta leçon. Juste respecte-toi, ok? M'as-tu entendu? Tu l'as fait la première fois. Je t'ai laissé. Si tu oses encore le faire, tu es morte. Laisse-la tranquille. Mon amour. Mon amour. Oh, tu m'as manqué. Je t'ai apprêté à manger. Oh, sérieux, viens, vas-y, allez, viens par ici, viens, assieds-toi, allez par là. Viens, 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 viens. Hey. 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 Hope you're all. Hey.
Oh, Viola, t'es un homme. Oh, tu es fort. Aïe, j'ai chaud. Oh. Oh. Gloire, tu ne m'as pas tué. Hey, sinon j'ai manqué cette nourriture. J'ai manqué cet homme. Aïe, Viola. Hey, pourquoi je suis en train de transpirer? Il y a des gens qui ne comprendront pas que mon mari me donne la dose qu'il faut, mon thérapeute, pour ma bonne santé. Oh, Viola, tu dois finir ce que tu as commencé. Je reviens pour le deuxième round. Tu dois finir ce que tu as commencé. Oh, Viola, j'arrive. Je suis bien prête pour toi. Oh, mon chéri, nous devons le continuer. Bébé, où es-tu? Je suis là. Oh, oh, Viola, allez, on y va doucement. Eh oh, na nene mia, nene mia. Bien, reviens ici. Je crois que ces sottises que tu as apportées n'est pas pour mon mari. Parce que tu sais bien que tu ne sais pas préparer. La soupe, c'est tout ce que tu sais faire. Retourne ces histoires d'où tu l'as pris. Allez, jette ces bêtises. Cette fourrière de femme. Hey, tu n'es que... Hey! Donne-moi une raison qui m'empêcherait de te poignarder maintenant. Aie pitié, oh, je suis une femme comme toi. Oh, oh, tu le sais? Et tu oses venir dans mon toit conjugal pour me traumatiser? S'il te plaît, laisse-moi rentrer dans la maison de mon père. Je te promets que je ne reviendrai plus. Je te connais. Je ne reviendrai plus ici. Oh. Crois-moi, je ne reviendrai pas. Non. S'il te plaît, allez, entre dans cette maison. Fais tes bagages. Pars de chez moi maintenant. Je n'ai rien à prendre dans la maison. Va faire tes sales bagages par force. Tu dois trouver ici. Pourquoi? Impudique des femmes. Reviens encore ici. Je vais bien. Je vais bien. Né, s'il te plaît, vérifie. Suis-je encore en vie? Oui, tu es en vie. Tu n'es pas morte. Hein? Hey, c'est toi qui es en train de parler. C'est bien moi. Oui, c'est toi. Ouvre la porte, Mouska. Ouvre la porte. Parle, non? Parle. Né, cette fille est une sorcière. Oledo est une grande sorcière. Hé, hey, oh. Hey, oh. 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 C'est pourquoi tu te mets à crier. Laisse-moi te dire une chose. Cette fille est une autre chose. Elle est bizarre. On dirait qu'on lui avait demandé de présenter un sacrifice. C'est moi qu'elle voulait sacrifier. Chance de m'exposer. Hé, hey, mais cette fille m'avait presque poignardé avec le couteau. J'étais entre la vie et la mort. Mais il s'en est fallu depuis qu'on t'apporte les cadavres de ta fille. Ce n'est pas vrai. Hé, hey, elle ne t'aura pas. Oui, c'est elle qui mourra. Toi, tu vivras longtemps pour me donner des petits enfants. Ce complot sera nul et sans effet.
Ifi, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, elle s'est enivrée. Vraiment? Hein? Non, non, okay, non. Ok, bien, amène les deux et prends soin de lui. Oui, maman. On est au paradis. Oui, maman. On est arrivé. Elle a besoin de quelqu'un qui doit prendre soin de lui. Hein? Hein? C'est par ici. Prends soin de lui, oh. Tu es pris dans le piège. Hey, sommes-nous arrivés? Est-ce qu'on est arrivé? Tu n'as aucune option, oh. M'as-tu entendu? Tu n'as aucune option. C'est soit tu pars ce soir même. Tu pars ou bien c'est moi qui... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pourquoi ça me dérange d'ailleurs? Tu peux prendre toute la maison. Mange la maison. Je vais retourner dans mon village. Ça veut dire quoi ça? Obiora, j'irai nulle part. Tu dois partir, oh. Je ne partirai pas de la maison de mon mari. Tu ne fais rien du tout pour satisfaire ton mari. Je vais partir alors. Rester ici pour faire quoi exactement? Rester pour faire quoi? Laisse-moi te dire, cette maison a cessé d'être la maison de ton mari. D'ailleurs, j'ai cessé d'être ton mari le jour où tu as décidé de faire de moi une âme agitée. Je ne t'ai jamais fait ça et je ne te le ferai jamais. Alors qu'est-ce que tu faisais? Tu as promis de m'aimer, peu importe le problème. Qu'est-ce que tu fais? Et tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est facile? Tu voulais que je t'aime comment? Alors que tu voulais même pas me donner ce que tu es censé me donner en tant que ma femme. Mets-toi un peu à ma place. À chaque jour qui passait, à chaque minute, donne-moi cette chose simplement. Je suis ton mari pour l'amour du ciel. Donne-moi cette chose. N'arrêtez pas de te dire. Je t'ai supplié. Je t'ai même supplié de me donner à chaque instant. Ne serait-ce qu'une minute. Juste une seule minute. Tu ne voulais pas me le donner, non? Donne-moi cette chose. Obura, qu'est-ce que tu racontes? Un homme qui aime endure. Tu dois l'endurer pour moi. Tu dois me comprendre. Tout ça est terminé. J'ai assez enduré. Si tu ne veux pas partir, je partirai pour toi. Tu iras nulle part. Je partirai. Tu iras si tu ne veux pas partir, je partirai cette nuit même. Je t'ai dit que tu le veux, non, tout ça va s'arrêter aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est terminé. Ah! Pourquoi est-ce que j'agis d'ailleurs comme un faux? Tu m'as convaincu de venir jusqu'ici pour habiter très loin de notre village. Je l'ai fait parce que je t'aimais. Parce que je t'aime énormément et que je veux s'il y a de mieux pour toi. Très loin de notre village. Très loin de mes propres parents. Je te l'ai même demandé, et si jamais quelque chose nous arrivait, sans savoir comment nous débrouiller? Tu m'as dit que tu étais une herboriste. Bizarrement, je ne savais même pas que tu me mentais. Sérieux, à quel point j'étais stupide? À quel point j'étais stupide, sérieux? Comment tu peux permettre à une petite fille comme toi de me manipuler juste comme ça? Et tout ça, bien sûr, pendant des années. 3 ans. 3 ans depuis que je te connais et je n'ai jamais, jamais, jamais couché avec ma propre femme. Qui croira cela? Les gens se moquent de moi. Tu aurais simplement dû me le dire quand je t'ai venu demander ta main en mariage. Tu aurais dû me dire que tu étais un homme. Obura. Exact. Cela aurait été très simple. Comme ça, j'aurais choisi si j'aurais voulu d'un homme ou bien d'une femme. Je connais les genres de personnes que moi, perso, j'aurais voulu. J'aurais choisi une femme et voilà que tu es là, tu sais même pas te comporter comme telle. Honnêtement, je ne peux plus le supporter, oh. Crois-moi. D'ailleurs, je maudis le jour où j'étais... Obura! Obura, je meurs au-dedans de moi quand nous nous tiraillons. Ça me fraye aussi. C'est pourquoi je suis venue te présenter mes excuses. Je te demande pardon pour la première fois. Désolée pour la dernière fois. Encore désolée pour l'avenir. Principalement, pardonne-moi pour ce qu'il y a eu dans le passé. Je t'aime. Je suis désolé aussi. Je suis désolé. Je sais que j'ai dit tellement beaucoup de choses. Beaucoup de choses blessantes. Choses dont je ne suis pas fier. Je suis sincèrement désolé. Je t'aime moi aussi. Merci, Obim. Je t'en prie. Je vais te poser une question. S'il te plaît, dis-moi la vérité. L'as-tu fait avec elle? Je ne me voyais pas le faire avec elle. Parce que je t'aime énormément. Obim, merci beaucoup. Je savais que tu ne me tromperais pas. Je t'aime très fort. Il
Y a-t-il quelque chose que tu me caches de moi? Non, pas du tout. Je le ferai. Oui, je le ferai, mais j'ai besoin de me reposer un peu. Après, oui. Tu veux dire à ton réveil? Oui, à mon réveil, je le ferai. Bébé. Hey, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, le diable est un menteur. Sans effet, je vais rester debout. Le diable est un très gros menteur. Tu ne pensais jamais le faire, n'est-ce pas? Bonjour, mon mari. Garde tes salutations et réponds-moi. Tu ne comptais jamais le faire, n'est-ce pas? Obi, honnêtement, je dois te partager un truc à propos. Chérie, promets-moi que tu ne vas pas te fâcher contre moi. Je t'écoute. J'ai besoin de temps. Donne-moi encore 6 mois. Hein? Donne-moi juste 6 mois et je ferai tout ce que tu voudras que je fasse pour toi. Je le ferai noir sur blanc, crois-moi.
Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Alors fixons déjà une date pour le mariage traditionnel au lieu de tourner en rond. Maman, je n'épouserai pas cette Ifo Mao. Hein? Je n'ai même pas un seul iota d'amour pour elle. Comment est-ce que vous tous vous attendez à ce que je puisse épouser une femme dont je n'ai aucun sentiment? Maman, je ne l'épouserai pas, oh. Je ne l'épouserai pas. Ekene, je suis juste content que tu n'aies même pas à nier le fait que tu sois responsable de la grossesse de Ifoma. Et dans ce cas, tu ne devrais pas parler des sentiments en ce moment même. Si tu n'avais aucun sentiment pour cette jeune fille-là, tu ne serais jamais entré entre ses jambes. Souviens-toi de nos coutumes et nos traditions. Dites-le lui, oh. Dites-le à cet irresponsable. Ne me provoque pas, oh. Fais gaffe. On verra moi et toi. Nous connaissons tous nos coutumes et traditions. Ekene, au cas où tu l'aurais oublié, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Notre tradition demande à ce que tu épouses une quelconque fille que tu enceinte, aussi longtemps qu'elle est de ce village. Sinon, tu risques le bannissement après 6 mois et ta famille n'est pas épargnée. Mamie Ifoma, je n'interdis pas à mon fils d'épouser ta fille. Hein? Mais pourquoi tu t'agites comme ça? Hein? Ijo, ce n'est pas ta fille qui est engrossée pendant qu'elle est sous le toit de son père. C'est pourquoi tu ne comprendras pas. Gare à toi. Mon fils. Papa. Un mot, dit-on, est suffisant pour un sage. Tu as entendu tes aînés. Tu ferais mieux de te préparer. Nous avons un mariage devant nous. Excuse-moi, papa. Hein? Exact. Maman, es-tu en train de soutenir? Je ne vais pas épouser cette Ifo Mao. Je ne vais pas l'épouser. Je ne vais pas épouser cette fille. Nous sommes déjà familiers. Tout ça parce que j'étais en Amérique, que tu veux une belle famille américaine. On verra bien, moi et toi. Tu n'importe quoi. S'il te plaît, calme-toi. C'est bon maintenant. Ok? Mbeti, oh. Mbeti. T'as pas entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Il y a un ou quoi? Ogini, Ekene va se marier bientôt. Comment? Je ne comprends pas. Nous sommes d'accord pour Ekene? Oh, oh, Biola. Maintenant que le chapitre de Ekene est fermé, notre focus maintenant, c'est Obiora. Comment le chapitre de Ekene est fermé? Ekene a engrossé Ifoma, la fille de Mazo Okono. Aïe! Et toi, moi, savons que la tradition et la coutume de cette terre, la femme et l'homme sont obligés de se marier. Et j'aurais appris Ifoma et sa mère tiennent à ces mariages comme si leur vie dépendait de cela. Hey. Mais qu'est-ce qu'on fait, non? Ce n'est pas tout haut. Ekene est l'amour secret de Oledo. Je crois que c'est ça la raison pour laquelle elle refuse de coucher avec son mari. Ça veut dire que Ekene connaît Oledo. C'est clair, oh. Attends, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette fille pour que les deux hommes courent derrière elle? Écoute, Oledo ne peut pas voir Obiora. Oledo ne mérite pas Obiora. C'est quoi notre prochain plan, non? Tu dois rentrer pour lui dire que Ekene est de retour. Ainsi, elle perdra son mariage. Pourquoi tu la reprennes? Qui? Moi. Allez là-bas. Pourquoi tu veux qu'on tue ta fille? Cherche quelqu'un d'autre à envoyer là-bas, pas moi. Tu n'as qu'à chercher quelqu'un d'autre. Bah non.
Obiora. Eni Mwobo, Ezbo Mwado. Comment vas-tu? C'est bizarre. Au moins, je suis encore en vie. Qu'est-ce que cela est supposé signifier? Depuis que tu t'es marié, tu as disparu et tu nous as laissés. Et qu'en est-il de ta bien-aimée femme? Ma femme. Ma femme. C'est ce pourquoi je suis là. Ta femme, y a-t-il un problème? Un gros, mon ami. Oh, ma femme, oh. Ma femme. Ma femme. Pas de sexe. Voilà un peu ce par quoi je suis passé. Tu n'es pas sérieux, mon ami. Je ne te le fais pas dire. C'est donc sérieux. Je fais juste de mon mieux de rester serein. Honnêtement, c'est parce que je suis un homme fort. Parce que je sais très bien que si cette chose que je suis en train de traverser, si ça arrivait à un autre homme, actuellement, il serait déjà devenu un malade. Il serait déjà devenu fou. Comment est-ce que ma propre femme, pas ma petite amie, oh, ma propre femme arrive à me dire que je devrais lui donner 6 mois avant que je puisse toucher à cette place? Ma propre femme, que j'ai épousée avec mon argent, payée complètement, je ne leur dois rien, oh. 6 mois avant que je ne pénètre, ça veut dire quoi ça, sérieux? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Éduquée, je n'arrête pas de souffrir, oh. Je te dis la vérité, moi ton frère je souffre. Aïe. Tu sais très bien ce que c'est quand tu passes beaucoup de temps sans faire cela, c'est juste que le système s'épuise. Je te dis mon cher, je vis l'horreur, plus rien ne marche dans mon corps à nouveau. Je n'arrête pas à chaque fois de me demander, je me dis, Obiora, es-tu sûr de n'avoir pas épousé un homme? C'est possible qu'elle ait un troisième pied entre ses jambes. Alors si elle n'est pas un homme, alors elle est sûrement une occultiste. Ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Obi, je te comprends très bien. Mais mon problème c'est, que fait-elle avec ce temps? Est-ce que je le sais? 6 mois, je ne sais pas. Peut-être que tu pourrais m'aider à lui demander. Hein? Obi, puis-je te donner un petit conseil de ma part? Bien sûr, vas-y, je t'écoute. Puisqu'elle a dit qu'elle a besoin d'un peu de temps, qui suis-je dans ce cas? Donne-lui un peu de temps. Hein? Tu dis tout ça parce que tu n'es pas à ma place. C'est parce que tu n'es pas à ma place. Que veux-tu dire? Voilà que tu dis même n'importe quoi. Est-ce que tu entends parler? Toi, est-ce que tu peux rester pendant 6 mois sans pour autant demander à ta femme de faire ça? 6 mois, tel que je te connais. Je peux résister, je te dis. Tu dis n'importe quoi, je te connais très bien. Tu n'as même pas à me dire tout ça. Tel que tu es là pour un seul jour, tu perds le contrôle. Hey! Arrête de me dire ça. Je suis ici pour une solution. Tu es arrivé au bon endroit. Ceci est la maison de la solution. Voici un très bon vin de palme. De l'autre côté, il y en a également un autre. Ici, nous avons fouet et nous. Si tu combines les deux, ça va te mettre très à l'aise. Hein? C'est la maison de la solution. Exactement ce que je t'ai dit, ma très chère femme. J'étais un spécial pratiquant d'arts martiaux en cette époque-là. Je t'ai dit, chérie. Crois-moi, je te dis, c'est très simple. Personne ne pouvait me dépasser. Oh oui. Les gens venaient de l'autre côté. Et ils venaient d'ailleurs pour me dire que... ils voulaient que je puisse me battre pour eux. Je leur demandais combien allez-vous me payer. D'autres personnes étaient venues, je leur demandais combien est-ce que vous allez me payer, parce que je ne me bats jamais. Une fois que j'entrais dans un ring de combat, je ne laissais jamais du temps à mon adversaire, j'étais toujours là. Je battais absolument tout le monde, mais je leur disais toujours, vous devez me payer d'abord. Et après, les deux voleurs avaient fini par partir. Ils se sont dit, laissez-les aller pour s'entendre et savoir comment faire. Pendant qu'ils se mettaient d'accord, moi j'étais là en train de les attendre. Me préparant pour la guerre, attendant n'importe qui viendra. J'ai reçu un appel venant directement de la reine Elisabeth de l'Angleterre. T'es sérieux? Je te dis ce qui est vrai. En ligne directe, elle m'a appelé. Elle m'a parlé, elle m'a dit, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, viens te battre, viens et rejoins la force spéciale de Londres. C'était intéressant. C'est comme ça que je suis parti de ce pays. Mon mari. Ça sont des choses que tu ne m'as jamais racontées de toute ta vie. Pour être franc, j'avais déjà quitté ce village. Pas le pays, j'avais quitté le village. Tu comprends, c'est comme ça que j'avais quitté le village. Pour aller où? Pas la peine de se le dire. Ce n'est pas important de savoir où est-ce que j'étais parti, où est-ce que je comptais aller. Le truc, c'est que j'avais quand même quitté le village, c'est ce qui importe. Parce que personne ne pouvait me frapper. Personne ne pouvait me frapper en ce moment-là. Et même actuellement, personne ne peut le faire. Vraiment, bébé? Je suis une machine spéciale. Mon amour, bois.
Bois, bois. Ton mari t'aime énormément. N'aie même pas peur, je suis là. Je t'aime plus que tu ne m'aimes. Ton cher mari est là. N'aie même pas peur de devenir ivre. Prends-en plus, hein. Hey. Vas-y, prends, hein. Vas-y, finis ça. Hey. Promets. Olé, Jiri. C'est maintenant ou jamais. Oui, on va le faire. Enfin, ça a marché. Ifi, 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 je t'en prie. J'ai signé un pacte avec quelqu'un. Et ce lien-là ne peut pas être brisé. Je t'en prie. Je t'en prie. Il n'y a pas un grand lien qui peut exister. Qui est celui de ton enfant que je porte? Je ne peux pas. Je ne serai pas non plus une mère célibataire à cause de qui que ce soit. Quand tu seras prêt, viens voir mes parents. Ifi. Ifi. Connais-tu quelque chose dans la vie qui n'aurait pas dû exister? Ainsi que l'émotion. Encore un jour de tristesse. C'est très dur. Très dur pour moi de supporter. Très dur. J'en ai marre. J'en ai marre de vivre la vie
avec un cœur partagé de peine. J'en ai marre. Connais-tu un endroit obscur? Un endroit qui ne contient que des rêves brisés. Un endroit rempli de tellement de tristesse, sans fin devant elle. Là, sont mes cadeaux, à chaque nuit qui passe. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Aujourd'hui, cette vie doit s'arrêter. Hola! 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 Ekene m'a dit de te dire qu'il est de retour. Ekene? Oui. Quel Ekene? Ekene qui vient de l'étranger, le fils de Mazobat. Où est-il? Il est chez lui. Né, comment tu me trouves? Tu es canon. C'est très joli. Hein? Ah, ça, moi, moi, moi. Néo. Hein? Ça va. Merci. Je crois que tu as pris tous tes habits du village. Oh oui, oh. Hein, moi, girl. Prends ceci. Allez, prends. Tu vas le mettre dans sa nourriture. Hein? Oui. Ne mange pas cette nourriture avec lui, oh. Sinon, hein, tout sera tourné contre toi. Tu seras troublé. Tu me comprends? Hein? Ceci le fera endormir pendant 2 heures. Puisque les hommes aiment qu'on utilise des stratégies sur eux avant qu'ils n'utilisent leur sens. Quand il va dormir, tu peux l'utiliser autant de fois que tu voudras. Ne reviens pas ici. Les ventres vides, sans être engrossés. Né, et si la grossesse refusait d'entrer? Tu les forces, non? Aïe. Tu les forces à tout prix. En main très prise, ça doit finir par entrer. Nous devons le finir. Tout ce que ton père sait, c'est de récolter de l'argent n'importe comment. Maintenant qu'il s'agit d'arranger les choses pour reprendre le contrôle, il dit qu'il n'est pas intéressé. Une fois que tu es dedans, écarte sauvagement tes jambes pour qu'enfin, tu finisses par concevoir. Mais je t'ai entendu. Quand la fille sera de retour, c'est là que je vais partir. Ah ah, mais pourquoi tu fais ton visage comme ça? Ne comprends-tu pas que c'est dans le parlons ici? Je ne me suis pas assez exercée dans l'écartement de jambes. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à faire? Qui est Kené? S'il te plaît, je dois me dépêcher pour un lieu maintenant. C'est très important. Dès mon retour, on en parlera, s'il te plaît. Un pas de plus venant de toi. Ta famille viendra prendre ton cadavre. Obiora, tu me fais mal. Je te ferai mal 1 million de fois de plus si tu me mens encore. Je proviens juste du village. J'ai entendu quelque chose que je ne comprends toujours pas. Alors tu ferais mieux de commencer à me l'expliquer. Qui est Ekene? Hola. Obim. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Bien sûr que je ne te quitterai jamais. Jamais. J'ai très peur. Pourquoi tu as peur? Comment tu es supposé croire en ceci? Tu sais que je pars bientôt. J'ai peur que je pourrais te perdre. Tu ne me perdras pas. N'est-ce pas que tu m'as promis de revenir dans plus ou moins 3 ans? Olam, 3 ans ne sont pas 3 jours. Ça fait trop longtemps à attendre. Notre amour est très fort, ça peut attendre. Je t'attendrai.
Ekene, je t'aime réellement du fond de mon cœur. Je jure sur ma vie de t'attendre. Je t'attendrai. Tu sais, Olam, j'ai toujours peur. J'ai très peur que tes parents te mettent la pression pour que tu te maries avant que je ne revienne. Si je te perds, j'en mourrai, je te dis ce qui est vrai. Non, tu ne mourras pas. Tu resteras vivant pour notre postérité. Ikem, tu sais que le festival des Amongo aura lieu dans les 3 jours qui viennent, avant ton voyage. J'espère que tu n'as pas oublié. Hein? Ikem, bébé, tu ne dis rien. Est-ce que ça va? Hola. Hein? Si seulement tu m'aimes, alors prouve-le. Bien sûr que je sais que je t'aime. Comment veux-tu que je le prouve? Prouve-le en acceptant de prendre mon sang là maintenant. Ekene, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais que c'est démodé. Plus personne ne le fait. Oui, c'est vrai. Mais ça marche quand même. Écoute-moi. Prouve-moi seulement que tu m'aimes. Que tu garderas ta virginité pour moi jusqu'à ce que je revienne. Je serai de retour avant 3 ans. Qu'est-ce que je raconte d'ailleurs? Je reviendrai n'importe quand. Accepte ceci et... solidifions notre relation. Ekene, je ne le ferai pas. Connais-tu la gravité de ce que tu viens de dire? Hola. Je sais que tu m'aimes. Fais-le pour moi. Non. Non. Fais-le pour nous. Non. 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 C'est pour nous, bébé. Non. Allez, arrête. Abarakwe. Nous, tes enfants, sommes venus ici aujourd'hui pour sceller notre amour. Que jamais rien ne puisse nous séparer. Puisses-tu toujours trouver un moyen de nous garder ensemble à jamais. Et c'est... Maintenant, ceci est le symbole de notre amour. Tu avais fait quoi? Tu avais fait quoi? Oula, donc tu es en train de tromper depuis tout ce temps. Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait au juste pour mériter ce genre de traitement? Quoi? Je suis désolée. Tu es désolée? Ce n'était pas intentionnel. Pas intentionnel. Hé, mon mari, s'il te plaît. Pardonne-moi. S'il te plaît? S'il te plaît. C'est vraiment là ce que tu me dis? S'il te plaît. Pourquoi avais-tu accepté de m'épouser dans ce cas? Oledo! Oledo! Maman! Où est cette têtue de fille que j'ai mise au monde? Qui ne veut pas me donner des petits-enfants? Hein? Qu'est-ce que j'ai encore fait ce matin, maman? Qu'est-ce que je fais? Tu me demandes, à moins que je ne sois pas ta mère, un bel homme, travailleur comme Obiora, demande ta mère en mariage. Tu refuses à cause de ce gars qui est allé à l'étranger? Tu ne sais même pas s'il saura survivre au froid. Tu veux vieillir dans ma maison? Maman, ne dis pas ça. Rien de mal n'arrivera à mon Ekene. Si je t'entends encore mentionner ce nom dans cette maison, je me donne la mort.
Hein? Maman, mais pas jusqu'à ce point. Je ne sais pas pourquoi tu t'acharnes sur moi. Qu'est-ce qui arriverait si à son retour il ne veut plus de toi? Maman, ce n'est pas possible. Mon Ekene ne saura vivre sans moi. Olédo, ne fais pas trop confiance. Je crois que ce n'est pas ce à quoi je pense. Oh. Sinon, je me donnerai la mort et tu deviendras orpheline. Maman, calme-toi. Tu viens à peine de rentrer. Repose-toi. Je ne sais pas pourquoi tu te punis ainsi. Tu n'as pas besoin de tout ceci. Je finirai par me marier. Oui, sois prête à épouser Obiora. C'est ce que je t'ai dit. Maman, laisse-moi tranquille, ou laisse-moi tranquille. Maman, laisse-moi. Olédo, tu es en relation avec Emeka il y a 2 ans. Tu crois que les 2 ans n'est pas suffisant pour qu'elle t'épouse? Maman, tu dois me comprendre. J'ai besoin de temps. Encore une année, c'est tout ce que je demande. Écoute ce qu'elle raconte. Qu'est-ce que tu fais avec le temps? Toi, cette petite souris. Qu'est-ce que tu connais du temps? Écoute-moi. Si Obiora part de ce village, avec sa famille, sans toi, considère-moi comme un cadavre. Maman, s'il te plaît, je ne suis pas prête à me marier. Maman, arrête. Maman, oui, je vais me marier. Maman, je vais me marier. Maman, réveille-toi. Maman, ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu m'as utilisé. Tu m'as fait perdre 3 années de ma vie. Tu m'as utilisé. Tout ça pour attendre un autre homme. Pourquoi? 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 Tu m'as regardé dans les yeux et m'as dit tous ces mots. Tu ne les pensais pas une seule seconde. Ces mots étaient pour quelqu'un d'autre. Un autre homme. Et même le diable ne te pardonnera pas pour ceci. Hola. Je le jure, je maudis le jour où je t'ai rencontré. Obim, je suis désolée. Désolée pour tout ce que je te fais de mal. T'es un bon homme. Tu mérites tout ce qui est en moi. Je suis désolée. Pardon, excuse-moi. La vérité est que pendant que je vivais avec toi, j'avais développé des sentiments pour toi. Désolée pour tout ce que je fais de mal. Je ne te mérite pas. Je suis désolée. Désolée. Donc tu t'es conservée pour un autre homme que moi. Non. Je suis désolée. Un mot de plus venant de toi. Je le jure devant Dieu que je vais t'étrangler avec mes 2 mains. Pars d'ici maintenant. Quitte ma présence. Pars! Fais maintenant. J'aime énormément Obiora. Je suis profondément tombée amoureuse de lui. Les serments. Tu n'es qu'un mère.
On l'aide. Ça veut dire que cette stupide fille n'est pas venue me donner l'information avant qu'elle ne quitte même la maison. Hey! Imaginable, elle est au moins partie pour de bon. On a ebedia, on a ebedia, mbichana ebedia, on a ebedia, on a ebedia, on a ebedia. Soyez les bienvenus, ma belle famille. Sans Merci faire bien. Perdre plus de temps, nous allons passer au prochain article de la liste. Exactement. Bien, maintenant, il faut m'avant de présenter son mari en devenir. Ekene, où est-il? Qui est-il? Où est-il? N'es-tu pas au courant? De quoi parles-tu? Ekene, j'ai eu fond ma poupée sa dot aujourd'hui. Hein? Mon Ekene, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout bien. Vrai. Tu n'es que Méo. Arrête! Jette ces bêtises. J'ai dit non! Ekene, c'est donc vrai? Tu t'es marié? Oh, l'âme. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je t'ai cherché absolument partout. À plusieurs reprises, ta mère m'a chassé de la maison. J'étais très frustré, et surtout quand j'ai entendu dire que tu étais marié avec un enfant. Hey, Ifoma. Ifoma, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Quoi de neuf sinon? Où est-ce que tu vas comme ça? Actuellement, je ne vais nulle part. Alors pourquoi es-tu ici? Je vais vous dire quelque chose. Ok, tu peux y aller. J'ai appris que vous êtes en quête de la fille de Oladeko depuis que vous êtes de retour. Exact, oui c'est le cas. Est-ce que tu sais où je peux la trouver? Ceci peut te briser, mais c'est la vérité. Qui a-t-il? Je crois que tu sais qu'elle est mariée avec un enfant. Oh. Bien, je sais au moins qu'elle est mariée. Mais avec un enfant, je n'ai pas cette information. Tu ne te demandes pas pourquoi elle a quitté le village pour aller vivre très loin avec cet homme riche qui travaille chez l'État? C'est parce qu'elle ne voulait pas que tu l'atteignes à ton retour. Oh. Ola ne peut pas me faire ça à moi. Elle ne peut pas me faire ça à moi. Hein? Elle est mienne. Et je suis également sienne. Nous avons un lien. Je veux dire, un très solide lien. Écoute, oui. Promets-moi que... Stop. Dehors maintenant. Dehors. Va-t'en. Va-t'en. Ekene, il est vrai que je suis mariée, mais je n'ai pas un enfant. Ekene, je suis toujours vierge. Je me suis gardée pour toi. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le destin a décidé de nous garder séparés? Olam, pendant 4 mois, j'étais éperdument à ta recherche. Pendant 4 mois. Pourquoi? Non, Ekene, nous ne sommes pas séparés. Je suis là pour toi. J'ai cédé à cause de la pression de la famille. Je ne vivrai pas longtemps avec Obiora si tu étais ici. Je le fais pour toi. Ekene, je le fais pour nous. À chaque fois que je regarde Obiora en face, tout ce que je vois, c'est toi. Je t'aime, Ekene, je rêve de toi. C'est la raison pour laquelle je t'ai suivi jusqu'ici. Tu ne peux pas me faire ça. J'étais assez entendue et je suis là aussi en train de t'attendre. Assez avec ces stupides amours.
Elle était en train de recevoir les boissons entre les mains de sa femme en devenir avant que tu ne Qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas ça. Et qu'elle est bien. Il n'est pas lié à qui que ce soit. Il est à moi. Et que tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît. Tu ne peux pas. Olam. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas permettre à ma famille d'être bannie juste à cause de moi. Non. Oui, ça c'est très bien parlé. Non. Elle est déjà enceinte de moi. Ekene, non. Non. Ekene, regarde-moi. Regarde mon bracelet. C'est ça, notre symbole d'amour. C'est bien ça. Où est le tien? Où est ton bracelet, Ekene? Je suis désolé. Tu ne peux pas me faire ça. Nous avons fait un serment. Nous nous sommes jurés de vivre ensemble. Oh là, je suis désolé. Je suis désolé. Non, Kenny, ne me dis pas que tu es désolé. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Kenny, s'il te plaît, dis quelque chose. Je suis désolé. Ton mari, il est déjà marié. Il est occupé. Sérieux, oui. Pars, c'est ça. Aussi longtemps que Ifoma insiste à épouser Ekene, Ekene n'a pas d'autre choix que de briser le serment. Bam. Il doit être brisé. Mon beau-frère, tu as bien parlé. Ekene. Je suis désolé. Rentre dans la maison. Allez, arrête, mais rentre chez toi. Rentre chez toi, maman. Retourne dans la maison de ton mari. Allez, va-t'en. Non, ce n'est pas possible. Je suis désolé. Mais franchement, qu'est-ce qu'elle a encore ici? Mais pas, mais pas. Oui, pas, va-t'en. Ne reviens pas. Ne reviens pas ici. Va-t'en. Il est déjà marié. Apaisez-vous, c'est bon, c'est déjà résolu. Voilà qu'elle est venue lui dire n'importe quoi ici. Mon amour, s'il te plaît, mange. Tu dois manger pour que tu sois assez fort. C'est important pour toi. Robico, la seule chose qui me rendra heureuse, c'est quand tu manges ta nourriture. Même si tu ne mangeras pas beaucoup, même un peu. S'il te plaît. S'il te plaît, oh. Essaye de te surpasser, Obiora. Obiora. Fais un effort de manger. Tu dois être assez fort. Dois-je te nourrir? Ah. Obim, tu dois manger cette nourriture ou... Ah. Obiora. Obiora, rentre manger, non? Bikono. Que fais-tu ici? Après avoir brisé son cœur, tu as l'audace de revenir jusqu'ici? Tu veux faire quoi? Il faut que je le sache. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Il est parti pour de bon. La tradition l'a obligé d'épouser la femme qu'il a engrossée. Obi, je sais que j'étais maltraitée. Je sais. Mais crois-moi, peu importe ce que je fais, je le fais pour l'amour. Si tu étais à sa place, je ferais la même chose pour toi. Mais la vérité est que tu es un bon homme. Tu n'as pas mérité ces traitements. Je ne suis pas venue te supplier pour que tu me reprennes. Non. Je viens juste te demander de me pardonner.
ton pardon. L'amour m'a déçu à mon tour. Je ne pouvais pas m'attendre à cela, même pas pour une fois. De toute ma vie, je n'ai pas encore aimé un homme, si ce n'est Kenny. Mais Obim, ton charme m'a captivé. Peut-être c'est à cause de ton sourire. Ta douceur qui a autant caressé mon âme. Tout ce que je ressens dedans de moi, c'est l'amour. Cet amour n'a cessé de devenir fort. Jour après jour. Je sais, si, même si j'étais partie avec Ekene, je serais toujours en train de penser à toi au bureau. Si, la seule chose que je peux garder de toi est l'empreinte de tes pieds. Je serai la fille la plus heureuse du monde. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. I can't live without Udobimo. Obim nako tititim tititim Udobimo. Iyo koko, iyo koko, iyo koko, iyo koko. The one I can't live without Udobimo. Obim nako tititim tititim Udobimo. Chikyo, Nemeda Mobi, King of my heart, Udobimo, Ihunanyagyo, Juru Mobi, Udobimo, Udobimo, Onyinkemo, Udobimo, Obimnako, Tititim, Tititim, Udobimo, Iyokoko.